Salut les gars, donc aujourd'hui une petite sortie, ma foi habituelle, pour faire une vidéo comme prévu sur les couteaux pliants et leur utilité en bushcraft, en randonnée, sortie nature, voyage à vélo, voyage en canoë, tout ce que vous voulez. Donc une utilité nature en fait. Donc j'ai pris quelques modèles avec moi. Et puis on va voir, on va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Et si ça peut remplacer ou pas le couteau fixe. Donc voilà, je suis en forêt. Sur des domaines privés. Donc il y a des parcelles qui sont laissées à l'abandon complètement. Et d'autres qui sont privées avec du grillage. Donc c'est également un lieu où il y a pas mal de personnes qui font de la marche en nature. Donc justement ça m'amène au premier avantage du couteau pliant, c'est que c'est discret. Donc on n'a pas d'étui à la ceinture, assez voyant, et donc ça nous permet d'évoluer en toute discrétion quoi, éviter d'attirer l'attention. Voilà. Un deuxième avantage du couteau pliant, c'est que lorsqu'on est dans l'effort, bah on n'est pas gêné par un outil supplémentaire à la ceinture. Donc là il est dans ma poche. Donc ça prend 10 cm et ça me gêne pas, et comme je vous dis on rencontre pas mal de gens, donc c'est bien de rester discret. Voilà. Et là je suis dans l'effort, donc je vous dis à plus. Voici donc les couteaux que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. Benchmade Adamas. Paramilitary 2. Delica. Spiderco. Les deux. Opinel. Inox. Et Avalon Piranta. Donc chacun a une utilité particulière. Donc ici on a le plus solide à mon avis. Donc même si les deux là se valent, celui-là reste quand même de par comment dire son blocage Axis qui résiste à 800 kg, presque 800 kg. De poids dans ce sens, et puis l'épaisseur également de sa lame, son acier des deux,
L'épaisseur, hein, c'est vraiment un gros couteau. Donc moi je l'aime bien pour le bushcraft parce qu'il me permet, malgré le fait que ce soit un pliant, de faire beaucoup de choses. Même chose pour celui-ci. Donc celui-ci c'est celui que je porte en EDC. Avant je portais celui-ci, le Spiderco Delica. Maintenant je porte le Paramilitary 2. Donc blocage, système de blocage par compression. Donc c'est vraiment du costaud, une lame très épaisse aussi. Donc là on doit être sur 4 mm, sur celui-ci on doit être sur 3,5, ouais, 3,5 à ce niveau-là. Donc la particularité de ces deux couteaux c'est que on peut les ouvrir d'une main, et c'est vraiment un avantage quand on est sur le terrain, enfin quand on est en nature. Celui-ci aussi il s'ouvre à une main, avec un blocage au dos. Par contre c'est un petit peu plus difficile quand même de l'ouvrir, hein. Voilà. Donc le Delica 4, l'Opinel que j'ai plus besoin de présenter. Donc avantage de ce couteau c'est que il est en inox et il est vraiment très fin, donc il permet de s'aiguiser d'une part très facilement, moins facilement qu'une lame en carbone, mais bon, inox pour moi c'est vraiment un avantage, surtout quand je vais à la mer, ou voilà, avec ça je peux faire la nourriture, il me donne plus de possibilités qu'une lame carbone. Et puis celui-ci c'est vraiment pour du travail très fin de comment dire, pour dépecer une bête ou un poisson même. Donc là c'est vraiment une lame scalpel interchangeable. Donc ça c'est vraiment une utilisation spécifique. On va dire celui-ci cuisine, ces deux-là EDC et celui-là bushcraft. Même s'il n'a pas un style de bushcraft, mais moi c'est l'utilisation que j'en fais. Donc vraiment en bushcraft, les deux couteaux que je vous conseille si vous voulez prendre des pliants, ça va être, donc là on a un acier D2, manche en G10, là aussi manche en G10, acier CPM S30V. Donc là c'est un acier inox et là c'est un acier semi-inox. Donc au niveau de la longévité du tranchant, celui-là va avoir un tranchant qui va durer plus longtemps en D2, mais plus difficile à obtenir, plus difficile à aiguiser. Celui-ci va avoir un bon tranchant qui va durer assez longtemps, moins bien que celui-ci en D2, mais il est plus facile à aiguiser. En plus c'est une émouture plate, donc ça va permettre vraiment d'avoir un tranchant rasoir. Celui-ci, on obtient un très bon tranchant, mais il est plus difficile à obtenir d'une part, et deuxièmement, du fait de son émouture sabre. Alors moi, je le préfère en bushcraft parce qu'il va être plus puissant, et son blocage est meilleur, et honnêtement, celui-là, c'est mon chouchou, donc j'évite de l'emmener en nature. Enfin, maintenant. Celui-ci, j'ai pas peur de lui en mettre plein à la tête, donc il est fait pour, hein, à la base. Il est fait pour qu'on lui en mette plein la tête. C'est le plus costaud, je crois, des Benchmade. Et franchement, c'est du costaud, costaud. Voilà, pour tout ce qui est taille, il n'y a pas de problème, ça rentre bien dans le bois. Et c'est un couteau, quoi.
Donc pour tout ce qui est petits travaux, donc le hop là. Donc pour tout ce qui est petits travaux, ce que vous permettez de faire un couteau pliant, c'est d'économiser le tranchant de votre lame principale, donc votre couteau fixe si vous en avez un. Donc pour tout ce qui est branché et branché du bois, il n'y a pas de problème. Tout va dépendre aussi du choix de votre couteau pliant. Donc plus vous allez prendre un petit pliant, plus moins vous allez pouvoir faire deux choses. Avec un gros pliant comme celui-ci, avec un blocage de lame comme celui-ci, je peux faire vraiment pas mal de choses que je pourrais faire avec un couteau, pas mal des choses que je pourrais faire avec un couteau fixe. Et ouais, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il va bâtonner avec son couteau pliant? Ah, bien sûr que je vais bâtonner. Mais pas de n'importe quelle manière. Alors pour bâtonner avec un couteau pliant, il ne faut pas bloquer le pliant. Vous allez le poser ici, bien sur le morceau de bois que vous voulez plier, que vous voulez couper. Vous attrapez le couteau par le rivet, voilà, par le système de rotation. Et là, il ne faut pas le taper ni trop de ce côté, ni trop au niveau du manche, sinon vous allez mettre beaucoup de stress au niveau de la mécanique. Il faut vraiment le taper en plein sur la lame. Une fois que vous avez fait une entaille, vous récupérez votre couteau et vous faites un wedge, un coin. Donc maintenant je vais essayer de fabriquer, de préparer mon bois pour faire un feu, tout ça avec un couteau pliant.
Ok. Donc juste un petit récapitulatif des points importants. Donc au niveau des avantages du couteau pliant, ça va être la capacité à le déployer rapidement, sa discrétion, sa compacité, le fait que ça se range très facilement dans une poche, sa légèreté aussi. Donc en l'occurrence pour celui que j'ai, il n'est pas vraiment léger, mais bon, par rapport à une lame fixe, c'est quelques grammes de gagné. Voilà. Ensuite, au niveau de ses points négatifs, parce qu'il y en a quand même, donc il est quand même limité au niveau de ses capacités. Donc pour le bâtonnage, tous les mouvements où il va y avoir des rotations à faire au niveau du rivet, du point de rotation en fait, au niveau de l'axe, c'est l'axe qui est le plus fragile, et tout ce qui est mouvement de levier avec un couteau pliant, faut oublier. Je pense qu'il est, important de l'intégrer dans un système. Moi, au niveau de la configuration que j'emmène avec moi lors d'une rando avec bivouac, donc si c'est une rando à long terme, donc 4, 5, 6 jours, je prendrai toujours avec moi une hache, une hachette, un couteau fixe, une scie et un pliant. Donc j'utilise celui-ci en priorité pour toutes les coupes de la journée, les bricolages de la journée, voilà. Donc c'est celui-là que j'utilise le soir sur le camp. Ça et ça. Voilà, en priorité. Donc par contre, pour une rando donc où on va chercher la légèreté à la journée, je vais prendre le couteau pliant et la scie, c'est tout. Voilà. Donc vous avez vu la capacité, enfin j'ai sans problème, j'ai démarré un feu, j'ai fait du petit bois et tout avec, donc il n'y a pas de souci. Il est largement capable de faire ce que peut faire de base un couteau fixe. Voilà, mon avis sur les couteaux pliants. Les couteaux que je vous recommande sont donc le Benchmade Adamas et le Spiderco Paramilitary 2 pour une utilisation bushcraft. Salut les gars!